Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours. Là, on va étudier le style de Steve Cropper, cet artisan de la soul, de la guitare Telecaster, ce grand compositeur aussi qui a fait de nombreux hits pour le label Stax. Voilà, donc on va étudier son style. C'est un guitariste qui est influencé par l'école de jeu des bluesmen de Memphis, influencé par le rock'n'roll et le rockabilly. Il a créé un langage bien personnel, bien à lui, un phrasé qui est reconnaissable et un jeu très rythmique, très précis. J'ai choisi deux exemples de morceaux qui sont peu connus, où il accompagne le chanteur William Bell. Le premier est un morceau qui s'apparente un peu à ça apparenterait un peu à un morceau rocking blues, rockabilly. Il est assez proche de Mystery Train d'Elvis, mais en plus lent, avec une pulsation typique rhythm and blues. Voilà, donc on va tout de suite attaquer ce titre avec le début du morceau. On réglera un effet trémolo, bien sûr, qui est l'effet original, le réglage original du titre. Donc, tout de suite après l'image de marque de Steve Cropper, cette double note assez countryisante. Voilà. Donc, on attaque le schéma rythmique dans un esprit rocking blues à la Mystery Train. Donc, je vais décomposer cette phrase. Voilà, c'est une grille blues standard. La deuxième partie. On revient sur le mi. Petite astuce à la fin au niveau de la grille, une petite fantaisie qui est typique soul. Donc si, fa dièse, la, sol, mi. Avec le feeling et le rythme, style rhythm and blues, ça ferait. Et on revient sur le schéma. Donc on va reprendre à la vitesse normale. Deuxième partie du morceau, assez rapidement, une petite fantaisie au niveau du passage bluesy, donc sur le mi. On va passer à cette position-là. Et là.
Voilà, à la fin, on coupe au niveau de la découpe de la grille blues, on va la raccourcir à la fin. Donc. Donc, vitesse normale. Donc une autre facette de l'art de Steve Cropper durant ses années 60 chez Stax, c'est un excellent guitariste rythmique, on le sait, le riff aussi est ravageur et c'est un très bon musicien avec une sensibilité, il est capable aussi de jouer des ballades soul, on a pu le constater derrière les titres, derrière Otis Redding. Donc là c'est un exemple tiré d'un morceau où il accompagne le chanteur une fois de plus, William Bell, qui est un excellent chanteur, un peu moins connu. Et ce titre-là, Never Let Me Go, fonctionne de cette façon. Balade classique, l'Anatole, on connaît. Voilà. Sauf que là, il y a vraiment une sensibilité au niveau du choix des notes, au niveau des arpèges. Un hammer ici. La petite astuce, c'est de faire ça en fait. Passer sur le passage, donc sur le pont du morceau. Classique. Un motif intéressant à la fin qui fait partie vraiment du style Cropper, c'est de mélanger l'arpège avec un slide en double note. Voilà, ça c'est vraiment son image de marque. Merci beaucoup, à la prochaine.